Je vous le disais dans les titres, le Puy du Fou débutera sa saison 2019 dans une semaine. Le parc des Épaisses rouvrira le 6 avril après un hiver studieux. Plusieurs chantiers ont été réalisés sur le site. La nouveauté de cette année, c'est un spectacle autour du roi des Francs, Clovis. Le public sera immergé à l'époque mérovingienne. Pierre Dalicieux est allé découvrir pour nous cette nouvelle animation. On ne dirait pas comme ça, mais dans une semaine, le nouveau spectacle du Puy du Fou, dont on peut voir ici les derniers préparatifs, sera ouvert au public. Ouvriers, artisans peaufinent le premier royaume. Une immersion de 20 minutes dans la vie de Clovis, roi des Francs. Une plongée au 5e siècle, avec tous les effets spéciaux d'aujourd'hui. Ça a été pour nous l'occasion d'un spectacle plein de surprises. Vous allez traverser des univers très différents, très variés, d'un lieu à un autre, qui fait qu'à chaque fois, vous ne saurez jamais ce qui vous attend derrière. Chaque lieu traversé est l'occasion d'un certain nombre d'effets spéciaux sur lesquels on a travaillé dans différentes directions pour vraiment mélanger beaucoup de technologies et présenter des choses qui sont à chaque fois très surprenantes, inédites, jamais vues. 2200 mètres carrés couverts pour un total de 13 millions d'euros. Cette année, le Puy du Fou a atteint un taux record d'investissement. En plus de ce nouveau spectacle, le premier royaume, le Grand Parc s'est offert une nouvelle entrée. Mais aussi d'autres travaux ont ponctué ces derniers mois. En tout, 30 millions d'euros ont été investis. Nous avons évidemment investi cette belle nouveauté ici du premier royaume, donc un peu plus de 13 millions d'euros. Les entrées, 3,5 millions. Une nouvelle infirmerie avec des bureaux pour les équipes techniques et sécurité. Mais également les cuisines du Red Post. Donc nous avions un peu plus de 12 chantiers durant tout cet hiver ici sur le territoire du Grand Parc. Le Puy du Fou s'embellit donc chaque année un peu plus et s'exporte aussi. Le concept du parc à thème semble s'adapter assez bien à l'histoire et aux légendes d'autres pays. D'ici quelques temps, le Puy du Fou pourra s'appeler les Puy du Fou. Nous avons lancé depuis le mois de janvier, donc avec la pose de la première pierre début janvier, les travaux donc de Puy du Fou Espagna, donc qui va ouvrir à Tolède le 30 août prochain, et ensuite le parc ouvrira en mars 2021. Nous travaillons évidemment avec des équipes déjà aussi sur la Chine, et nous avons des projets également donc de l'autre côté de l'Atlantique cette fois-ci, du côté des États-Unis. Mais revenons en Vendée, où le Grand Parc ouvre ses portes pour la saison 2019, le 6 avril prochain. L'année dernière, le Puy du Fou a accueilli 2 300 000 visiteurs.